Vraiment très bien, 66. Moins 6, de toute façon, partout c'est bien. Ici, c'est encore mieux parce que le parcours n'est pas facile. Donc, très bien. Surtout, je suis content de la manière dont j'ai joué. Vraiment, j'attendais de voir un peu comment le driving allait être par rapport à la semaine dernière où il n'a pas été bon. C'est pas encore parfait, mais c'était bien mieux. J'étais pas très loin des fairways quand je les ratais. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Quoi qu'il arrive, je pouvais jouer les greens derrière. Donc, j'ai pas fait de boyer stupide comme ça. Et puis, par contre, j'ai très bien putté. Donc, j'ai mis les birdies. J'ai fait 2-3 bons chips pour sauver les parts, donc vraiment, journée parfaite pour moi. C'est long. On a de la chance, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Donc, vraiment, les conditions étaient parfaites pour jouer, mais c'est long. Les greens sont fermes, plus fermes que la semaine dernière à Abu Dhabi. Donc, il faut prévoir que la balle va rouler 5-10 mètres à chaque fois. Et les greens vont très vite. Donc, faut faire attention, mais non, très bon parcours. Je suis resté à la maison à Paris, en fait. J'étais au Nelson Mandela. Donc on n'a pas eu un si gros break, j'ai pris 2 semaines où j'ai pas joué au golf pendant les fêtes. Et ensuite j'ai repris une dizaine de jours où j'ai juste tapé des balles et fait du putting. J'ai pas pu aller sur le parcours, le temps n'était pas bon à Paris. Mais c'est peut-être ça qui m'a un peu coûté des points la semaine dernière. Maintenant, j'ai joué un petit peu, pu faire les reconnaissances. Donc là je suis un peu plus dans le bain, donc je suis très content. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire un peu plus de parcours avant de venir à Abu Dhabi.